Nice car. Jérémy Saderne est en table finale, est très bien placé en jetons. Ils sont plus que 3 sur un WSOP. Le mini main event, il y a plus de 600 000 dollars à la gagne, un bracelet de champion du monde. On lui souhaite bonne chance. Moi, je suis dans un tournoi là, du coup, je peux pas aller le voir. Mais putain, le cœur y est. Jérémy, good luck. Gros bravo à Jérémy Saderne, 21e bracelet français lifetime, c'est-à-dire qu'il y a eu 21 bracelets français en tout, et c'est le 21e à avoir eu un bracelet sur le mini main event. Il a, sur un tournoi à 1000 dollars, il a transformé ces 1000 dollars en 600 et quelques 1000 dollars. Bravo Jérémy, un joueur régulier du circuit qu'on connaît bien et qui s'est fait online, comme beaucoup. Bravo à lui. Je suis juste content de ce qui m'arrive depuis. Depuis que je suis tout petit au final et aussi depuis que je vis du poker, ça fait du bien, c'est ma plus grosse performance. Miranda, la petite room, top 614 siège 1. Allez. He's the face of poker today, and recently a married man whose supportive wife let him hang out with us all summer. He also sits in the top 10 all time in both cashes and victories at the WSOP. Please welcome to the stage to get play started today, the one, the only, Daniel Negreanu. All right, players. WSOP main event, day 1B, yeah! Dealers, shuffle up and deal. Players, don't do anything stupid. Oh,
Ok, la famille, première pause. Alors, c'est des niveaux de 2 heures. Hein. Donc, c'est 2 heures les niveaux de blinde. C'est génial. Hein. Il faudrait que tous les tournois soient comme ça. Ce serait incroyable. On démarre avec 60 000 de jetons. J'ai 71 200 pour être très précis. Donc, c'est un bon départ. Avec, on était sur 100-200 les blindes. Donc, j'ai pris quand même 60 blindes sur ce premier niveau. Ce qui est cool. Est-ce que ma table est bonne? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent au main event. Première table. C'est vraiment le hasard qui décide si ta table est bonne ou pas. Donc tu peux tomber sur une table avec que des amateurs, parfois, et oui, même sur un tournoi à 10 000. Tu peux tomber sur une table avec quelques pros. Là, honnêtement, pour un main event, j'ai une table plutôt dure. Maintenant, ça reste une table globalement OK parce qu'il y a quand même 4 amateurs, mais il y a aussi 4 pros. Ce qui est rare pour une table du main event au premier niveau. Les pros étant finalement peu nombreux par rapport au nombre d'amateurs sur ce tournoi où, on est, où il va y avoir quasiment 10 000 joueurs. Donc je dirais qu'il y a peut-être 3 000, 4 000 joueurs pros et le reste, c'est des joueurs amateurs. Donc c'est quand même plus de la moitié de joueurs amateurs et c'est plutôt cool. Contre un mec qui n'est pas pro, il 5 bêtes, t'as perdu quoi. T'as les rois, t'as perdu. Vous êtes le bon vieux Boubi, il aurait foldé ici. Eh ouais. 100%. Ouais. Ah, bien sûr, mais tout le monde. Mais tous les mecs de live. Sauf les mecs online. Les online ne foldent pas. En gros, 250 blindes au début du main, ça c'est important. Hein. Ne partez pas all-in au début du main avec 250-300 blindes avec les rois. Il hein. Y aura toujours les as en face. Hein. C'est pas un setup. Si jamais on vous 3 bêtes, vous 4 bêtez. Mais si on vous 5 bêtes, vous avez perdu. Donc vous pouvez folder, si vous avez la cote pour faire brelan, vous collez, mais si le 5 bet est gros, en général, il n'y a pas la cote, donc on fold. Après, vous trouvez la force de check fold tu vas coller le flop, c'est des Ah, tu colles le 4 bet, tu parles la turn. Non, flop, turn. Préflop, quand tu colles le 4 bet, tu veux dire? Bah ouais. Quand tu colles une fois que tu as collé le 4 bet, il faut que tu colles une fois sur board non SI et tu fold turn. On donne le conseil. C'est le conseil du jour par Boubi et Yo. Si c'est le lead, nous, là. Ah ouais, c'est bien. Ça, c'est bien, par contre. Combien de récréa? Deux sur les 6. Ok. Et tu t'es compté dedans ou... Ah non, bah 3 sur les 6 du coup. t'es le boss des récréas, mec. 3 sur 6. Ouais, mais t'es pas un vrai récréa, t'as info. Ouais, on va passer le dé. Viens, on rentre, il fait chaud là. On est sous la clim. Ah bah, il fait super froid chez nous aussi. Hein. Ouais. Allez, good luck. Ciao frérot, good luck. Il a peur, il me dit arrête de filmer, j'ai peur que le fisc me regarde. Mais t'es broke frère, t'as zéro sou. Ah oui, mais c'est ça le truc. Il vient se brosser les dents au Rio. Il vient se brosser les dents, ton truc des toilettes. Pour faire des économies. T'as pris quoi cette année, un Airbnb ou... Non, je t'ai dit, j'ai une tente au Bellagio. Ah oui, t'as une tente au Bellagio. Bon, t'es dans le Maine, t'es bien? Ouais, 85. 85K, hein, c'est bien. Je pas ça, j'ai 80K moi. 80K? Ouais. Tu joues quand même pour 5%? 3. 3? C'est pas mal, gars. Ah ouais, fort, hein. 3 c'est bien. À 3 si tu gagnes, ça fait 3% de 10 millions quand même. Imagine, il y a 10 000 joueurs, il y a 10 millions à gagner, je prends 30K. Tu prends 30K, ouais, c'est pas mal quand même. Non, c'est plus que 30K, mec. Tu te trompes, tu prends 300K, mec, si tu gagnes. 300K, ouais. Tu joues pour 300K, c'est énorme quand même. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Non, sur 10 000, 3% de 10 millions, c'est 300K, c'est pas 30K. Ouais. Je sais que t'es un bon joueur. C'est un bon joueur, je sais que t'es broke, mais t'es un bon joueur quand même. Ah si, trop tard. Ah si, mec, c'est trop bien. Voilà. Champion. Super, super restaurant. Est-ce qu'on peut parler du restaurant à Miami ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Hein. Oliver's Bistro. Comment il s'appelle? Oliver's. Est-ce que ce serait pas le restaurant qui est en dessous du truc de Scarface, là où il y a... Oui, ça c'est l'Oliver's Beach. Ah. L'Oliver's Bistro, c'est à côté ou... Non, c'est West Avenue. L'Oliver's, le Scarface, c'est sur Colony Hotel. Ok. Et le tien, c'est... C'est les deux.
J'ai les deux. Ah, ok. Et Scarface, c'était quoi la scène? C'est la scène de la tronçonneuse, c'est ça? C'est la scène quand il arrive, il arrive avec la voiture jaune. Et il vient de faire la transaction, après, non? Il monte et le mec il se fait découper la tronçonneuse. Ouais, je me rappelle très bien. Le reste en dessous, il est à toi. Allez-y quand vous êtes à Miami, donc on est pas mal. Ça, Isa? La star. Ta place et tout ça. Salut, tu vas bien? Re. Je suis moins bien que tout à l'heure. C'est vrai? Ouais, et toi, t'es comment? Je suis 68, je suis moins bien que tout à l'heure. Mais ça va, 68. T'as combien, Isa? 62. Et toi? Moi, je suis mieux que tout à l'heure. Ah oui, t'avais 110, c'est vrai qu'on s'est croisé, ouais. Tu joues? J'ai un petit tournoi avant, je suis. Petit tournoi, tout à fait. J'avais 30, donc ça va. Good luck, hein? Good luck, hein? Je suis avec la belle Gaëlle. Gaëlle, que vous avez peut-être déjà vue quelque part. Oui, mais il y a très longtemps. Tout de suite. Il y a très longtemps. Bon, on a fait la même chose, hein. La maison du bluff, elle a fait la saison 2. Ouais, c'est ça. Ton métier, c'est journaliste. T'es journaliste de poker, en fait. Journaliste de poker, c'est ça. Des interviews, beaucoup d'interviews de joueurs et des coverage aussi de temps en temps. Ouais. Mais des interviews toute l'année. Interviews toute l'année et on va expliquer rapidement ce que c'est un coverage parce que finalement, les gens du poker savent ce que c'est un coverage, mais tous les gens qui regarde le poker rapidement sur YouTube, ne connaissent pas forcément le principe. Le principe, c'est, vas-y, tiens, comment t'expliquerais toi un coverage? Le coverage, c'est pour tous les gens qui suivent le poker, qui veulent avoir toutes les infos sur le tournoi. Ouais. Combien de joueurs restants, combien de joueurs ont participé, il y a combien à gagner, où on en est dans le tournoi, les structures, les blinds, tout en fait, absolument tout ce qui se passe dans le tournoi. Ouais. Nous, on est là, on suit derrière les tables, on essaye de voir, d'attraper des mains, de voir ce qui se passe et on raconte un petit peu le déroulement du tournoi. Exactement, et vous racontez même les coups importants. On peut vraiment suivre à distance un tournoi via un coverage, quoi. Assez souvent, on peut tout suivre. Oui, c'est ça. Il y a des updates sur Poker News, par exemple, il y a des updates toutes les 5-10 minutes maximum, donc il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et on raconte tout du début à la fin avec 3 tables restantes, 2 tables restantes. On essaye au fur et à mesure d'avoir les stacks un petit peu en visu, en fait, les couleurs des jetons, tu sais à combien ça est équivalent. Les tours, tu vois, en général, les gens font des piles de 20, donc tu arrives à calculer rapidement. Et on peut faire des erreurs comme tout le monde, mais bon, ça va, on n'est pas. Ouais, vous êtes plutôt rapide quand même sur ces trucs-là. Ouais. Moi, j'ai vu plus rapide parfois que certains joueurs de poker. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Bon, bah, c'est cool, Gaël, on va te laisser bosser. Et puis voilà, passe un super séjour. Mais toi, t'es habitué de Vegas, ça fait des années que tu viens. Ça fait la 7e ou 8e année, je crois. Ouais. Donc, on est à peu près pareil. C'est ça, à peu près pareil. Voilà. Allez, Gaël. Allez, bonne chance. Toi aussi. Passe une bonne journée. Bientôt. Oui, peut-être. J'étais pas loin en tout cas. Salut, ciao. Ciao, Gaël. Est-ce que tu connais l'histoire de Dimitri Shuvalov? Moi non plus. Mais en tout cas, c'est drôle son histoire parce que regardez. Dimitri, c'est un Russe qui a gagné 1$ sur RandomMob. En gros, le mec, il est pas dernier ex aequo, tu vois, il est dernier. Genre après, t'as un Indien, il a gagné 2$. Mais je trouve ça trop drôle. Oh, sorry. Donc dernier break de la journée, ça se passe plutôt bien, je suis monté à 100 000. Donc on a démarré avec 60 000 jetons. Du coup, vraiment belle journée quoi, vraiment belle journée. En plus j'ai loué une Ferrari, donc allez salut. Ça va Bruno? Putain, je suis refait, putain c'est trop bien. J'ai payé 2 balles la minute alors. J'ai ton numéro ou pas? Ouais, t'as mon WhatsApp ouais, on s'est déjà écrit plein de fois sur WhatsApp. J'ai payé 40 balles. Mais là-bas, à la réception. Pour 40 balles. Bah, c'est 40 balles la journée, ça la va journée. Ouais, c'est. Mais en fait, je viens juste de le louer à l'instant, donc je suis un peu niqué pour la journée. Mais si j'avais su, j'aurais fait ça tous les jours. C'est fun. C'est beaucoup trop bien. Ah, vas-y, frère. Excuse-moi, j'ai frôlé. Ah, je suis refait, putain. Allez, viens, on rentre. Comment on rentre? Et putain, je peux mettre mon sac à dos et tout, c'est incroyable. Le mec, il nous attend. Hey, who are you? I saw you earlier, did you get your
recording. I was just wondering, are you a professional? Yeah. Bugger player? Yeah. Yeah? Your name? Johan. Johan, nice to meet you. Nice to meet you. I just saw you. Nice to meet you. Today and everything, so I'm wondering, yeah. See you. Good luck. See you. Je crois que j'ai un ticket. Attends, j'ai entendu un fun tomber. Yes. Ouais, tu vois, j'ai bien entendu. Putain, j'ai l'oreille. Hein. Thanks, my friend. Oh, comment allez-vous, mademoiselle? T'as un 06 ou quoi? Tu vas avoir un accident. T'as un 06? Derrière moi et t'as tapis sur la toute dernière main du jour 1. C'est la main que t'as pas envie de perdre. Hein. Le mec avec les lunettes là. La journée est bien passée pour moi avec 93 600 jetons. Ce qui est bien, on a démarré avec 60 000. Environ 115 big blind pour le retour. Une bonne journée, bien longue, 12 heures, dont 10 heures de jeu, 2 heures de pause en tout. On va mettre les jetons dans le sachet. C'est les plus beaux, ça c'est les plus beaux, c'est les 25K ça. Que deux pour le moment ça. Ça va grossir. Sargumine. Représente 5-7. Elle a fait 3ème. Third place, 400,000 you take. How much you win? Like 450 or something like 450, that. Ouais, c'est même plus, c'est 450K. Elle a pris sur le 10K, elle a fait 3ème. Bravo Anna. Eh, ok, on va s'inscrire au main event. Ben, eux ils vont s'inscrire parce que moi j'ai passé le day. Allez! Eh oui, j'ai passé le day. I pass the day. Bon, c'est pas tout, mais moi je vous offre 1% de mon profit sur ce main event. Donc si tu veux gagner, c'est 1%. C'est simple. T'as une validation à faire. C'est une validation par personne. Donc si tu l'as déjà faite, passe ton chemin pour cette fois, bonne chance à toi. Si tu ne l'as pas encore fait, le lien est dans la description ou alors il apparaît sous mes doigts. Bonne chance à nous, moi je pars pour le jour de là. Tout.